Radio Maton, une émission de Gérard Courant, ce soir avec Bulogier. Quand je t'ai demandé de venir à cette émission, tu m'as dit une heure, mais je ne pourrais jamais parler pendant une heure. Et avec tous les films que tu as faits, je suis certain que tu vas nous dire plein de choses. Mais j'espère, j'aime pas tellement parler de moi et je ne sais pas parler de moi. Alors j'espère que toi tu vas parler de moi. Parce que tu as fait plus de 40 films en 15 ans depuis Paulina s'en va d'André Téchiné. Et comment ça s'est passé, cette entrée dans le cinéma, parce que tu faisais du théâtre avant? Oui, ça s'est passé. Avec Marco ? Oui, je faisais du théâtre avec Marco et finalement on était tout un groupe de gens qui se sont connus à cette époque-là. Les gens de cinéma aimaient bien le théâtre de Marco et aimaient bien les acteurs qui étaient là. Quand tu dis les gens de cinéma, c'était qui ? C'était Jacques Rivette ? C'était Jacques Rivette, c'était, je crois, Truffaut ou Jacques Demy. Les gens qui constituaient le groupe des Cahiers du cinéma à ce moment-là, donc André Téchiné, Jean Eustache, Comolli, plein de gens comme ça. Et tu as beaucoup travaillé au théâtre avant de commencer au cinéma ? J'ai commencé au théâtre en 1963 avec ce groupe de Marco qui était constitué par Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon, Elisabeth Vienner, Jacques Higelin, Michel Moretti, Toto Bissinthe et d'autres. Il y avait aussi des musiciens comme, qui faisaient la musique de nos pièces, comme Jean Vienner, Michel Portal, quand même des gens bien. Et le principal succès, c'était les idoles à cette époque. Voilà. On a eu un très gros succès qui s'appelait les Playgirls, qui était monté dans une cave, la Grande Séverine, qui était tenue, qui appartenait à Girodias. C'était dans quel quartier ? C'était rue Saint-Séverin. Girodias, c'était un éditeur fameux qui avait créé Olympia Press et qui avait édité le premier Lolita. Le Festin nu de Burroughs, les Miller, les Tropiques du Cancer, du Capricorne, et qui était interdit de, pour je sais pas combien, 100 ans des interdictions d'édition. Il avait cette espèce de complexe qui s'appelait la Grande Séverine. Il y avait une cave dans laquelle il a voulu en faire un petit théâtre quand il nous a connus. Et puis il y avait une boîte de jazz, et puis il y avait un restaurant russe très cher et très fameux. Ah. Ça, c'était les débuts. Et quel était le public qui venait à ce moment-là ? C'était un public très... de gens d'édition, Jean-Jacques Pauvert, Samson François, des gens, Christian Bourgois. Et il n'y avait pas beaucoup de place, il y avait... 70 places, donc 80 places maximum, donc pour gagner notre vie, comme on était un groupe de 7-8 personnes, on était obligé de jouer deux fois. On jouait à 11h du soir et puis on jouait après à 2h du matin. Il y avait du monde à 2h du matin ? Oui. Il y avait autant de monde plein, oui. C'était une époque géniale, magnifique. Après on montait, on se faisait offrir le coup par Girodias. Dans la boîte de jazz, et quelquefois on avait la chance d'être invité au restaurant russe parce qu'on gagnait pas beaucoup d'argent quand même. Il y avait Gilin qui faisait des improvisations quelquefois parce qu'il y avait un piano sur le petit théâtre, qui faisait des improvisations jusqu'à 8-9 heures du matin, et les gens étaient morts de rire, ils restaient. Et à l'époque tu ne travaillais pas pour le cinéma, alors que des gens comme Clémenti travaillaient pour le cinéma. Oui. Avant. Oui, lui, il avait commencé avec Visconti. Oui, Visconti, puis il avait continué avec Buñuel, je crois. Avec plein de gens. Avec beaucoup de gens, oui. Non, c'était un bon exemple à suivre.
Oui, mais j'étais pas intéressée par le cinéma parce que j'étais dans ce groupe, je m'amusais beaucoup et puis j'avais la passion de ce qu'on faisait et j'avais pas d'ambition, j'y pensais pas du tout. Pourtant, je suis certain que c'était une époque qui devait être plus propice que maintenant pour débuter dans le cinéma. C'était un peu dans le droit chemin de la nouvelle vague. Il y avait quand même peut-être plus d'ouverture que maintenant. Certainement, mais la nouvelle vague était déjà là. Et ils avaient leurs acteurs, leurs actrices. Et nous, dans ce groupe de gens, à part Pierre Clémenti, on ne pensait pas au cinéma, sinon que c'était un moyen de gagner notre vie, de faire un cachet ou deux ou trois, et en même temps on rejetait cette idée de ne pas pouvoir jouer pour aller faire pour gagner de l'argent au cinéma. C'était bizarre. C'était très sentimental. Oui. Alors ah oui, c'était un groupe fort, mais c'est comme les groupes de musique qui peuvent pas se séparer. C'était proche de la musique parce que dans le groupe il y avait Calfon, enfin, il jouait aussi. Je ne sais pas s'il jouait à cette époque, mais après, en tout cas, il a fait des groupes de rock. Lui, il a décroché de l'acteur quand il a fait Les Idoles, parce que ça lui a donné une révélation, il a voulu être musicien. Parce que dans Les Idoles, il chantait. Alors, à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il s'amusait beaucoup plus en faisant de la musique qu'en étant acteur. Puis ça correspondait à 68, etc. Il y avait une rupture aussi. Parce que 68 est arrivé. Et pour toi, ça a été le grand départ dans le cinéma. Mais c'est-à-dire qu'en 67, quand on a fait Les Idoles, il y a eu une espèce, c'était devenu égomaniaque un peu, les acteurs étaient les trois idoles de la chanson, alors il y avait une espèce de compétition sur le public, et puis ça a éclaté, plus personne s'entendait ensemble, les acteurs se faisaient un peu la gueule, il y avait des... On devait faire des psychodrames pour arriver à rejouer le soir, toute la journée. Alors finalement, on a arrêté. C'était à quel moment ? Chacun a suivi sa route. C'était en 67 ? Parce qu'on a repris Les Idoles qu'on a créées en 66, on l'a repris en 67 à Bobino. C'était déjà beaucoup moins bien. Et le film a été tourné en 68 ? Non, le film a été tourné en 67. C'était ton premier film ? 66 et 67, oui. C'était avant le film d'André Téchiné qui s'appelle Paulina s'en va. Oui, c'était exactement mon premier film, mais en même temps, pour moi, c'était la continuité d'une pièce de théâtre, au fond. Et c'est là que Jacques Rivette... C'est pas vraiment une pièce de théâtre, je sais pas comment, de ce spectacle. Et Jacques Rivette était venu en 65 dans une pièce qui s'appelait Les Bargasses nous voir, au théâtre Édouard VII, et il y avait... Jean-Pierre Calfon et moi qui jouions dans cette pièce, avec les autres, Clémenti, etc. Et il a eu envie de nous mettre ensemble dans l'amour fou, parce qu'il trouvait qu'on formait un couple déjà sur scène intéressant. Et l'amour fou, c'était et juste lui, en 68, là. Il m'a proposé de faire un rôle dans La Religieuse, une des religieuses, et ça ne m'intéressait pas. Parce que j'étais sur le théâtre, j'étais dans mon groupe, j'avais pas envie d'arrêter tout pour aller faire un petit rôle. J'ai toujours pensé que si je devais faire du cinéma, il fallait que je commence en force. Ah oui, parce que tout de suite, avec L'Amour fou, ça a été le grand film. Paulina s'en va déjà. Oui. Et puis ensuite L'Amour fou, et puis le reste, quoi. Mais c'était pas trop difficile de commencer comme ça, d'un seul coup, à avoir la responsabilité presque d'un film. Parce que Paulina s'en va, c'est vraiment sur toi. L'amour fou, c'est sur toi et Calfon. Et c'était quand même, ça demandait quand même un certain métier. Et...